à chacun de prendre la voie qu'il souhaite. Eh bien, les jeunes étudiants ont compris que ce n'est pas Dieu qui va venir leur donner du travail. C'est Draman qui doit leur donner du travail. Ils ont compris que ce n'est pas un marabout qui a faim et qui a besoin de leur argent qui va leur donner du travail. Ce n'est pas les pasteurs escrocs comme le Makosola qui ont faim, qui vivent sur le dos de leurs fidèles qui vont leur donner du travail. Les enfants ont compris que c'est l'État qui doit leur donner du travail. Et donc, ils sont allés aujourd'hui au plateau pour aller demander travail, pour aller demander leur emploi, leur dossier à l'État de Côte d'Ivoire. Chers camarades peu d'Afrique, je voudrais vous demander de mettre beaucoup de cœur. On va ici montrer de quoi il s'agit. Voici la marche. Voici la marche. Ils ont marché aujourd'hui sur le plateau. Ils ont marché aujourd'hui sur le plateau, les jeunes. Ils ont marché sur le plateau. Ouais. C'est nombreux, hein? Quelques centaines de personnes. C'est nombreux, hein? Ouais. C'est au plateau, hein? Voilà. C'est au plateau. Ils ont marché, les jeunes là. Ils ont marché. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Je vais vous montrer quelque chose d'autre. Vas-y. Vas-y. Ils sont au niveau de la caisse table. Vas-y. Partagez la vidéo. Là, dans tous les groupes. Vas-y. Partagez la vidéo dans tous les groupes, partagez. Ils sont venus pour se faire entendre. Non, au concours d'intégration après la formation à l'INSPIA. On passe pas concours dans concours. On passe pas concours dans concours. On est fatigué. Venez ici. Chacun se voit ici en direct. Connectez-vous massivement, partagez la vidéo dans tous les groupes. Il y a les jeunes dames dedans, tout ça. Ils sont devant la caisse table. On est venu manifester pour nos droits. On passe pas concours dans concours. Voilà. Partagez la vidéo, partagez dans tous les groupes. Voici cette personne connectée. Mettez le cœur. Ok. Voilà. Donc, camarades d'Afrique, vous avez vu les jeunes. Ils ont marché sur le plateau. Ils ont marché pour revendiquer leurs droits. D'abord, ils ont grévé. Et quand ils ont grévé, Adjumandine a sa tête André Corossol. Sa grosse tête André, cher camarade d'Afrique, André Brick 45. Au lieu de chercher à résoudre le problème des jeunes, qu'est-ce qu'il fait? Il va déloger les jeunes de leurs internats et il ferme les écoles. Et derrière, il veut faire passer un concours en s'arrangeant avec ceux de, comment on appelle ça, des eaux et forêts. Parce que c'est dans ces établissements-là que les eaux et forêts passent leur concours pour augmenter de grade. Donc, il voulait faire ça derrière ces jeunes-là. Les eaux et forêts, les étudiants des eaux et forêts, eux aussi, ils ont dit, ils ne veulent pas passer le concours parce que, en solidarité avec les jeunes, les étudiants qui sont en train de gréver aujourd'hui, qui sont en train de marcher aujourd'hui. Vous avez compris ça? Donc, déjà, dans le milieu social, que la solidarité même règne. Dans le milieu scolaire, dans le milieu étudianté, mais la solidarité règne. Et ils ont refusé. Et ils ont marché. Mais comment vous dites que un milliard par jour pour la jeunesse. Vous dites que la Côte d'Ivoire est un pays émergent. Vous dites que la Côte d'Ivoire est un pays développé. Vous dites que la Côte d'Ivoire, il y a tout. Mais des jeunes qui sont formés pour travailler, pour servir le pays. Vous voulez les former
pour les jeter dans la rue. Vous, alors que leur formation coûte cher. Leur formation coûte cher. Mais malgré tout ça, vous voulez les former et les jeter dans la rue. Mais vous êtes comment? Vous êtes comment? Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Chers camarades pédagogiques. Donc, ces jeunes-là ont décidé de prendre leur destin en main parce qu'ils savent que personne ne le fera à leur place. Donc, ils ont marché aujourd'hui. Et il y a beaucoup qui ont été... J'ai appris qu'il y a certains qui ont été arrêtés parce que leur manifestation a été dispersée par la police de Draman. Leur manifestation a été dispersée par la police de Draman. Mais j'interpelle ici Sékambou, le secrétaire général national de la FESI. J'interpelle Sékambou parce que ça aussi, c'est ton devoir. Parce que c'est des étudiants. C'est des étudiants. Ça relève de ta responsabilité ici. Donc, il faut voir clair dans cette affaire. Cher camarade peu d'Afrique, quand on a dit ça, on s'en va un peu. On s'en va petit à petit. On s'en va petit à petit. On va rester toujours en Côte d'Ivoire. Je vais présenter une vidéo. Je vais présenter une vidéo, cher camarade peu d'Afrique. Voilà. Je vais présenter une vidéo. Dorénavant, écoutez cette vidéo. L'étranger qui épouse un Ivoirien ne pourra pas acquérir de plein droit la nationalité ivoirienne. L'acquisition de cette nationalité par le conjoint étranger est soumise à certaines conditions essentielles, dont celle qui consiste à souscrire une déclaration à cet effet devant l'autorité compétente 5 ans à compter de la célébration du mariage. Ensuite, la preuve d'une vie en commun entre le conjoint étranger et l'Ivoirien qui matérialise en fait l'existence du mariage et l'effectivité du mariage. Il faut dire que ce délai de 5 ans peut être amené à 3 ans en présence de 2 enfants du couple. Je vous avais dit que Alassane Ouattara était en train de travailler sur le code de nationalité en Côte d'Ivoire. Et vous avez dit, c'est un projet de loi concernant le code de naturalisation en Côte d'Ivoire. Et vous avez dit ça, non? Voilà. Donc maintenant, ils ont durci la loi sur la naturalisation en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Mais c'est quand même paradoxal. C'est quand même paradoxal et c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Toi, Alassane Ouattara, toi, tu es burkinabé. Tu viens de Saint-Bou. Et c'est toi qui viens d'ici la loi de naturalisation sur les Ivoiriens et sur les Africains. Donc maintenant, si tu maries une Ivoirienne, tu n'es pas d'office. Tu ne deviens pas d'office ivoirien. Il faut attendre 5 ans ou peut-être 3 ans en prison de 2 enfants. Vous comprenez l'affaire, chers camarades? Donc, ça veut dire qu'ils sont en train de durcir la loi concernant la naturalisation en Côte d'Ivoire. Vous comprenez ça? Mais tout ça là, c'est pourquoi? Tout ça là, ça vise quoi? Ça vise la carte de séjour en Côte d'Ivoire. D'ici fin 2024 là, à coup sûr, Draman va imposer la carte de séjour aux gens. Je sais de quoi je vous parle. Il va imposer la carte de séjour aux gens. Ah non, merci pour le cadeau. Vous comprenez ça? Il va imposer la carte de séjour aux gens en Côte d'Ivoire. Dans quelques temps, d'ici fin 2024. Moi, je vois ça venir. C'est-à-dire que quand on parle aux gens, il faut qu'ils comprennent. Vous comprenez ça? Mais toi, tu es Burkinabé. Draman, toi, tu es Burkinabé. Ton frère Burkinabé. Comment il s'appelle? Bitogo est Burkinabé. Kadia Kamara est guinéenne. C'est vous qui êtes rampé dans le gouvernement là. Et c'est vous qui jugissez les lois d'intégration en Côte d'Ivoire. Ben, c'est bizarre. Hein? L'hôpital qui se fout de la charité. C'est bizarre, chers camarades pays d'Afrique. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est bizarre. Mais on ne va pas vous laisser faire ça. On ne va pas vous laisser arriver au cadre de séjour. Mais si vous arrivez au cadre de séjour, il y a un problème.
Il y a un problème. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'en Afrique, il y ait quatre de séjour entre nos frères de la CEDEAO. D'ailleurs, parce que déjà, hors CEDEAO, l'a déjà établi la carte de séjour hors CEDEAO. Maintenant, c'est à l'intérieur de la CEDEAO maintenant, il veut établir la carte de séjour. Parce que le monsieur Daman, il a un coup de liquidité, il n'a plus l'argent. Crédit est trop sur sa tête. Il n'arrive plus à s'en sortir. Donc, il cherche l'argent par tous les moyens. C'est pourquoi il va arracher le terrain des gens, aux gens, pour vendre ça aux investisseurs, aux bailleurs de fonds, pour pouvoir payer crédit. Mais, carte de séjour, des frais de la CEDEAO, là, ça va chauffer sur toi. Ben, on ne va pas accepter. On ne va pas accepter ça. Comme rappel d'Afrique, on poursuit. On poursuit notre direct. On poursuit notre direct, chers camarades. On poursuit notre direct. Là, je voudrais ici répondre de façon succincte au Wawa français. Je crois que c'est un général français qui a attaqué, qui a dit qu'ils vont aller en Afrique pour aller défendre leurs intérêts. Voilà. Donc, je vais répondre à ce gars-là. Mais on va écouter ici déjà la vidéo pour que chacun puisse comprendre de quoi il s'agit. Ben, j'ai réfléchi. L'Europe devront intervenir militairement en Afrique dans les 10 prochaines années. Déclaration choc signée de l'ex-chef d'état-major des armées françaises au micro de nos confrères du Figaro. Un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent. Je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, voilà. Y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Défendre les intérêts de la France et de l'Europe. Voilà. Donc, vous avez entendu, le gars il dit, l'Afrique va connaître une explosion démographique. On s'en va peut-être un petit échec à marquer d'Afrique. Une explosion démographique que comme aucun autre continent n'a connu. Bon, déjà, un ancien chef d'état-major qui parle comme ça. Bon, il est méconnaissant de l'histoire. Quelle histoire même? De la démographie mondiale. De la démographie mondiale. La Chine fait 1 milliard 600 millions. La Chine continentale. 1 milliard 600 millions. L'Afrique fait 3 fois la Chine. La superficie de la Chine. La superficie de l'Afrique fait 3 fois la superficie de la Chine. Alors, vous comprenez ça? L'Inde fait, on va dire, 1 milliard 300 à 1 milliard 400 millions de personnes. L'Afrique n'a même pas encore 1 milliard. Et l'Afrique, si l'Afrique a trop, c'est 1 milliard 200, 1 milliard 300. Alors que l'Afrique, donc l'Inde et puis la Chine réunies en termes démographiques, ça fait près de 3 milliards de personnes, 3 milliards d'habitants. Les deux continents, les deux pays réunis, la Chine continentale et puis l'Inde. Ça, la fédération, parce que l'Inde là c'est une fédération. Donc l'Inde et puis l'Afrique, l'Inde et puis la Chine, ça fait environ 3 milliards de personnes. Alors que l'Afrique, le continent africain est plus grand que que la Chine et l'Inde réunies en termes de superficie. Donc, eux, ils n'ont pas encore explosé leur démographie. C'est l'Afrique qui va exploser la démographie. Mais le monsieur, il est bête. Il est bête. La République centrafricaine fait au moins 2 à 3 fois la France. La République centrafricaine fait au moins 2 à 3 fois la France. Les Français sont environ 67 millions de personnes. La République centrafricaine fait 5 millions d'habitants. Est-ce qu'il y a plus de démographie en Afrique? Je répète. La République centrafricaine, en termes de superficie, fait environ 2 à 3 fois la France. Alors que la France, il y a près de 70 millions de personnes en France, sur ce petit territoire. Alors que la République africaine fait 5 millions de personnes pour une superficie de plus de 600 000 km². Est-ce qu'il y a une explosion démographique? Le Mali fait au moins 4 à 5 fois, près de 5 à 6 fois la France, le Mali. Alors que les Français sont près de 70 millions d'habitants. Au Mali, il y a un peu plus de 25 millions d'habitants. Est-ce qu'il y a problème démographique en Afrique? Au Niger, c'est pareil. Au Niger, ça fait près de 4 à 5 fois la France. Hein?
En termes démographiques, le Niger, c'est autour des 22 millions d'habitants. Est-ce qu'il y a un problème démographique en Afrique? Non. La Côte d'Ivoire, ça fait 362 462 km². Et la Côte d'Ivoire, on est à peu près 30 millions d'habitants. Est-ce qu'il y a un problème démographique en Côte d'Ivoire? Elle dit non, il n'y a pas de problème démographique chez nous. Monsieur l'ancien chef d'état-major, il faut aller remettre ton logiciel à jour. Il n'y a pas de problème démographique en Afrique. Voilà. Au-delà de ça, il a dit quoi? Il a dit non, que l'Afrique est en train de casser l'architecture démocratique. L'Afrique met en mal ses propres dirigeants et tout. Donc, il faut que les Français et les Européens aillent défendre leurs intérêts. Donc, vos intérêts là, c'est les dirigeants que les Africains ont tendance à démettre, ou bien c'est vos entreprises qui sont là-bas? La question doit être posée. Parce que si on prend, chers camarades d'Afrique, de façon superficielle, quand on prend de façon superficielle, les entreprises françaises aujourd'hui en Afrique sont protégées par qui? Par les forces de l'ordre africaines. Par les forces de l'ordre africaines. On prend le cas du Sénégal. Quand il y a eu les échauffourées au Sénégal entre Macky Sall et les patriotes sénégalais, qu'est-ce qui s'est passé, chers camarades d'Afrique? Les Sénégalais se sont attaqués au commerce comme au champ, aux stations comme Total. Bon, vous dites que des intérêts français. Mais on n'a pas vu de militaires français là-bas en train de chasser la foule parce qu'elle n'a pas le droit de le faire. On est d'accord. On ne peut pas quand même voir des militaires français sortis pour chasser des manifestants en train de manifester librement dans leur rue. C'est mal vu. Donc les Français ne sont pas sortis, les militaires français à Dakar ne sont pas sortis pour venir se stationner devant ces commerces-là. Non, c'est pas ce qui s'est passé. C'est les militaires sénégalais qui sont sortis pour dissuader la population, pour que la population cesse ce qu'elle est en train de faire. Et généralement, c'est comme ça un peu partout en Afrique. Mais ce qui retient notre attention ici, c'est que la France a de façon délibérée agressé un des présidents africains. De façon délibérée, plusieurs fois, agressé des présidents africains. Le cas de Mouammar Kadhafi, ils ont tué Kadhafi pour déstabiliser totalement la Libye. On est d'accord? Ils ont détruit totalement la Libye. Ils ont tué Kadhafi pour détruire totalement la Libye. Pour que leurs intérêts puissent être protégés. C'est pas ça. Mais c'est pas que les intérêts puissent être produits en tant que tels. C'est pour que les entreprises, les multinationales françaises, etc., Total et consorts, puissent voler aisément. C'est pas ça. Voilà. On a vu aussi les Français aller bombarder le palais présidentiel de la Côte d'Ivoire pour sortir le président Laurent Gbagbo et mettre à la place le président Laurent Gbagbo Ouattara. On a vu ça, on est d'accord. Donc, intervenir militairement, ce n'est pas pour aller protéger les entreprises françaises, non. C'est pour démettre, c'est pour faire des coups d'État et mettre à la place des présidents qui ne leur sont pas favorables, des présidents qui leur sont soumis, qui leur sont dociles, comme Alassane Ouattara. On est d'accord. Voilà. On a vu aussi, au Niger, quand Bazoum a été renversé par les patriotes du Niger, la France a, de façon manu militari, décidé d'aller bombarder le palais du président Tchiani, sortir le président Tchiani et rétablir Bazoum. Là encore, on réalise que ce n'est pas à cause d'Ariva qui était de l'autre côté là-bas. Parce que personne n'a touché Ariva. Même le peuple nigérien, qui est un peuple civilisé, qui est un peuple, je dirais, républicain, qui est un peuple, comment on appelle ça, qui fait preuve de civisme, n'est pas allé agresser les intérêts français. Aucune entreprise française n'a été touchée. Mais pourquoi la France voulait intervenir au Niger? Ce n'est pas à cause de ses intérêts, et ce n'est pas à cause des entreprises. Non, c'est pour que le régime qui est là leur soit soumis, pour qu'ils puissent faire tout ce qu'ils veulent. D'accord? Donc, quand il dit aller protéger les intérêts, ce n'est pas dans le sens d'aller protéger les entreprises qui sont là-bas. Non, c'est pour aller, on va dire, changer de régime. On a vu en République centrafricaine, le cas centrafricain est un cas école. Chers camarades d'Afrique, il faut qu'on vous explique un peu. La France a installé David Dacko. Après avoir tué le président, le patriote Batelion Bokanda, qui a été frappé pendant qu'il était en vol, son avion a été bombardé et il est mort.
Ils ont installé David Dacko. Après David Dacko, parce que David Dacko ne voulait plus travailler, il voulait diversifier ses partenariats, ils ont enlevé David Dacko, ils ont mis Bokassa premier. Bokassa premier, quand ils se tournaient vers la Libye, ils ont enlevé Bokassa premier, ils ont mis David Dacko. Quand David Dacko a commencé à parler encore, ils ont enlevé, ils ont mis, je crois, Bédé Patassé. Après, ils ont mis, comment on appelle ça, Bozizé. Après Bozizé, ils ont enlevé Bozizé, ils ont mis Djeté Dua. Quand Djeté Dua aussi n'arrangeait pas les choses, Touadéra est venu avec leur accord. Maintenant, quand Touadéra a voulu diversifier ses partenariats pour essayer de faire profiter profiter les Centrafricains des ressources naturelles de la République centrafricaine, eh bien, ils ont tenté encore d'enlever Touadéra pour installer, je ne sais pas qui d'autre, le même Bozizé, je pense, parce que c'est Bozizé qui a la tête aujourd'hui de la rébellion centrafricaine. Vous comprenez là? Donc, ce n'est pas une question d'aller protéger leurs intérêts dans le sens d'aller mettre autour des entreprises françaises, des militaires français pour protéger ces entreprises-là. Non. C'est dans le sens de démettre les régimes qui sont en place et de mettre à la place de ces régimes-là des hommes qui leur sont dociles, des valets. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est pour dire que le combat que nous menons est un combat très difficile. Très difficile, mais en même temps, très facile. Est-ce que vous comprenez ça? Très difficile, mais très facile. Très difficile, pourquoi? Parce que nous aurons toujours des traîtres qui vont accepter de collaborer avec les Français. La politique impérialiste française. Vous comprenez ça? Il y aura toujours des gens. Et donc, tant que ces gens-là seront là, eh bien, la France va toujours tenter de démettre les régimes patriotes qui veut travailler pour leur pays. Vous comprenez ça? Mais c'est facile, pourquoi? C'est facile parce qu'aujourd'hui, les Africains ont compris. Les Africains ont compris qu'en réalité, tout président qui est bon pour eux n'est pas bon pour les Français. Tout président qui est bon pour l'Afrique n'est pas ricoché, pas bon pour les Français. Vous comprenez ça? Donc, de ce point de vue, les Africains peuvent identifier très rapidement le président qui est là pour eux. Et donc, le défendre coûte que coûte. C'est pourquoi les Africains aujourd'hui défendent Assimi Goïta. Orbi. C'est pourquoi les Africains aujourd'hui défendent Ibrahim Traoré. C'est pourquoi ils défendent le président Tchadi. C'est pourquoi ils défendent le président Touadéra. C'est pourquoi ils défendent le président Bassim Diomaye Faye. Voilà la réalité. Et donc, si on arrive au volet militaire, là encore, c'est très facile. Parce qu'il faut se rappeler que la colonisation a eu lieu parce que nos aïeux n'avaient pas d'armes. Et ils ne savaient pas où s'en procurer. Mais aujourd'hui, non seulement on a des armes, mais on sait où s'en procurer. Et ceux-mêmes qui nous fournissent ces armes-là sont prêts à nous fournir autant d'armes qu'on veut. Il faut juste payer. Mais nous avons tout pour payer les armes. Donc quand on a les armes que les gens ont utilisées pour venir contre nous, pour nous coloniser, on a les mêmes armes que vous. Et on a l'effectif qu'il faut. Frère, on va se dire. On va s'allumer. Si les gens là viennent pour dire qu'ils viennent coloniser l'Afrique, vous allez voir, toute la diaspora va descendre en Afrique pour aller prendre les armes. Non seulement il y aura des Africains en Afrique pour se mobiliser pour les Akan, mais nous-mêmes ici en diaspora, on va laisser téléphone tout ça et puis on va descendre sur le terrain et puis on va prendre les armes pour les Akan. Ça, il faut que ce soit clair.